Alors, Ecomobilier en 2017, ce que nous allons vous proposer, c'est de travailler en partenariat avec les fabricants, avec les agenceurs, avec les fournisseurs et aussi avec la distribution pour mieux éco-concevoir les meubles. Alors, éco-concevoir les meubles, c'est quoi ? C'est à la fois prévoir au moment de la fabrication, du design du meuble, la fin de vie du meuble. Donc travailler sur les matériaux, travailler sur la façon de fabriquer les meubles. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est de travailler aussi à imaginer ce que sera le recyclage dans 5 ans, 10 ans, 20 ans, en fonction de la durée de vie des meubles, pour pouvoir peut-être donner des conseils, apporter quelques solutions aux industriels, aux fabricants, aux designers, en vue de cette fabrication plus éco-responsable. Voilà, alors concrètement, on a mis en ligne tout début décembre un guide, le guide de l'éco-conception. Donc ça donne des conseils assez précis, assez techniques sur les matériaux, sur les produits et sur les perturbateurs de recyclage. Comment dans la fabrication on peut éviter aujourd'hui de mettre éventuellement des matériaux ou des associations de matériaux, de matières qui seraient perturbants pour le recyclage. Voilà, ça c'est en ligne et avec Esprit Meuble on en profite pour présenter ce guide aux fabricants, aux exposants qui sont au salon. Ecomobilier s'est interrogé sur les attentes des consommateurs. Du coup, pour aller un peu plus loin dans cette réflexion, on a mandaté TNS, Sofres, pour ne pas les citer, de façon à interroger les Français. Donc on a fait une première partie d'études quantitatives, 800 Français interrogés sur leurs attentes en matière environnementale. Alors, c'est très intéressant, j'aurai l'occasion de vous le présenter en février prochain, de façon à ce que les résultats soient connus. Et ils sont, je crois, assez encourageants sur les sujets d'éco-conception et de gestion de fin de vie du mobilier. Ça, c'est la première chose qu'on a faite. La deuxième chose, c'est de créer aussi des groupes quali pour aller un peu plus loin. Qu'entend-on, par exemple, par matières premières recyclées ? Est-ce que ça parle au consommateur ou pas ? Est-ce que le consommateur est prêt à accepter que des matières premières issues du recyclage soient dans les produits ? Sous quelle forme ? Avec quel degré d'interaction entre le consommateur, son produit et quel rôle d'information le distributeur devra avoir. Donc ça va être très intéressant. Je vous donne rendez-vous en février prochain où là nous pourrons en parler plus en détail.